le papa. Il a battu le visage de route, il a battu le visage de route, il a battu le papa. Il a un de langage, il a un peu de papa, il a un peu de papa, il a un peu de sang, il a un peu de sang, il a un peu de sang, il a un tata nzambe na biso yozala kamawa pamba kena bokabwani nde usala kabiso pasi kanisha kwa nzambe yozala nesengo pamba to yambi mwana na yo isika ya uta ki papa papa ni tolba na yo kwa tata nzambe mwana na yo azali musali na yo munene tata pater na biso papa mi konesa le bele ye ndo te bela ki tata nzambe na yo moko munete o yamba ina mboka na yo papa yamba ina kimia Je suis un peu plus de temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous le savons, Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est ce qui fait que nous commençons par une partie liturgique. C'est-à-dire nous commençons par la lecture de textes bibliques relatifs à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons lire dans deux livres, et il y a d'autres livres qui suivraient dans le cadre du sermon ou de l'explicitation. Nous lirons d'abord les commandements des dieux. Nous les prendrons dans le cinquième livre de Moïse, Deutéronome 5, de 1 à 21. Et après, nous ferons une deuxième lecture dans le psaume de David, au chapitre 39, du verset 5 à 7. Nous allons commencer notre lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse, éternel est vous. Pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne, il dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu retourneras dans la poussière. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est le moment solennel que toute personne sur terre, riche ou pauvre, ne peut négocier. Ce moment n'est pas négociable, chers frères et sœurs. Quand nous disons que ce moment n'est pas négociable, c'est-à-dire que ce moment ne dépend pas de nous. Quand bien même Dieu nous a donné la liberté de choix, de pouvoir diriger notre vie,
Mais il nous a donné aussi des principes essentiels pour que nous sachions comment diriger notre vie. Dans le livre d'Ecclésiaste toujours, puisque nous avions parlé d'Ecclésiaste tout à l'heure, au chapitre 8, verset 8, il est écrit pour montrer la puissance de la parole de Dieu qui dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Chers frères et sœurs, ces moments, c'est un moment qui est décidé par Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle. Quand bien même, dans notre vue, nous jouissons d'une certaine liberté. Et très souvent, quand nous parlons de nous-mêmes, pour certains qui n'ont pas d'humilité, qui sont imbus de la vanité et de l'orgueil, ils disent souvent « moi ». « Moi quand je dis, moi quand je décide ». Chers frères et sœurs, nous devons savoir que nos décisions ne sont qu'éphémères. Puisque la vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Dieu. Qui nous a permis de venir dans ce monde par la naissance. Mais qui nous donne aussi le choix de pouvoir diriger notre vie comme nous pouvons. Mais quand ce moment arrive, personne ne peut y échapper, riche ou pauvre. Seul Dieu décide. Notre frère, papa pasteur, Jean-Jacques Bakula, ne pouvait pas échapper à ces moments précis. Parce qu'il n'est pas maître de son souffle. Et le souffle n'est donné que par Dieu. Ainsi, chers frères, quand nous allons lire les commandements de Dieu, nous allons voir quel est le rapport que Dieu entretient avec chacun de nous. Si nous lisons dans le livre d'Exode 20, de 1 à 17, tout comme nous venons de les lire dans Deutéronome 5, 1 à 21, nous allons voir que le rapport que Dieu entretient avec l'homme, c'est-à-dire avec chacun de nous, est un rapport intime. Dieu parle à la première personne, « je ». Il s'annonce, il se montre à l'homme pour expliciter et faire comprendre à l'homme que c'est lui le créateur. C'est lui qui donne la vie. Et que l'homme est la créature. Mais quand Dieu utilise le « je », il utilise un autre pronom personnel qui montre l'intimité. Dieu parle de « tu ». Il dit « je » et il s'adresse à l'homme « tu ». Nous voyons que c'est une relation de grande proximité, de grande intimité. Cela veut dire, si nous venons dans ce monde par la naissance, c'est que nous venons de quelque part. Pour venir dans ce monde par la naissance, nous venons de quelque part. Et là, nous étions avec Dieu. Nous étions dans la plénitude de Dieu. Et dans cette plénitude, Dieu nous dit, ben voilà, vous allez sur terre. Et pour venir, Dieu nous donne le passeport. Comme quand on va quelque part, on a toujours un passeport. Et dans ce passeport, Dieu inscrit trois éléments. D'abord l'amour. Il dit, là où tu vas, tu as un langage à utiliser, c'est l'amour. Parce que moi, ton créateur, je suis amour.
Jésus-Christ est amour, le Saint-Esprit est amour. Donc l'homme qui vient de Dieu doit être amour, il doit manifester l'amour. Il dit, mais là où tu vas, je te donne aussi un GPS, c'est-à-dire les commandements, pour que tu saches comment traverser ce monde qui est aussi cruel et parfois difficile. Et au-delà de ça, il inscrit dans le passeport la mission. Chaque personne a sa mission ici-bas. Papa Jean-Jacques avait cette mission d'être d'abord chrétien. Au-dessus de tout ça, pasteur, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Voyez ? Et quand nous arrivons ici-bas, chacun utilise comme il veut les trois éléments. Est-ce qu'il utilise le langage de Dieu qui est l'amour ? Est-ce qu'il respecte les prescriptions que Dieu donne, que nous avons lues dans Deutéronome ? Est-ce qu'il assure sa mission ? Voilà la question qui nous est posée. Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons lu dans le psaume de David, au chapitre 39, versets 5 à 7. Et là, David pose la question à Dieu, puisqu'il se reconnaît en tant que créature. Il sait que Dieu a la force, c'est Dieu qui détient tout. C'est Dieu qui nous donne le temps de notre vie ici-bas. Et David, dans son intelligence, dans sa sagesse, demande à Dieu de lui dire quel est le terme de sa vie. Parce qu'il dit, ce que vous m'avez donné comme temps dans ce monde, je vois très bien que c'est un moment qui est court. Nous voyons très bien dans la Bible, ceux qui ont vécu avant nous, Adam et autres, vivaient très longtemps. Adam a vécu 930 ans. Mais nous, actuellement, notre vie est écourtée. Rares sont ceux qui dépassent 70-80 ans. Voilà la question de sagesse que David pose. Quel est le terme de ma vie ? Dieu l'a aidé aussi à comprendre la brièveté de son existence sur terre. Et nous devons savoir si nous venons de quelque part, nous venons dans la vie par la naissance. C'est que quand on a son passeport, on va en voyage, on doit retourner. Mais comment nous nous préparons pour retourner vers notre Dieu qui nous a donné ces trois missions essentielles ? La manifestation de l'amour, le respect de ses prescriptions divines pour que nous sachions comment, et la mission qui nous est donnée. Parce que la vie ici-bas est courte. Et nous devons nous poser la question, quel sens donnons-nous à ce temps qui nous est accordé ? Puisque nous sommes de passage ici-bas, nous sommes tous des pèlerins dans ce monde. Et un jour, nous allons aussi repartir, comme papa Jean-Jacques Bakula répare vers son Dieu au terme du temps qui lui est imparti. Donc nous devons savoir que la vie ici-bas est limitée par un temps précis que seul Dieu connaît et accorde à chacun de nous. Maman Lobi, Soukayabo Moïnayo et Zaliliwa. La force qui a un amour qui lui opposé la taka, mais les délits foutis, ce caïa bon moi d'ailleurs, et j'alliwa, ce caïa bon moi d'ailleurs, et j'alliwa, ma soyo sala qui a un amour qui lui opposé la taka, mais les délits.
Le chant que nous venons d'entonner entre dans le cadre de ces moments précis qui nous réunit et qui dit simplement que nous sommes des pèlerins ici-bas, nous sommes des voyageurs et que notre vie a un terme. Comme David a demandé, quel est le terme de ma vie? Donc, nous sommes des passages ici-bas. Si nous sommes venus avec notre passeport, nous devons aussi repartir. Mais repartir où? Qui est celui qui sort de sa maison avec son passeport et au moment de repartir ne connaît plus sa demeure? Nous devons repartir vers notre Dieu. Mais quand nous sortons de ce monde, il y a une évaluation pour que chacun puisse montrer comment il s'est comporté. Est-ce qu'il a respecter les trois éléments que Dieu a donné, l'amour, les commandements et la mission qui est donnée. En cela, au retour, la question nous sera posée. C'est-à-dire pour que nous puissions retourner vers Dieu, retourner vers Dieu, notre passeport doit contenir trois éléments essentiels, comme les trois éléments que nous avons pensés sont les commandements et la troisième ce sont les œuvres. Voyez, donc ici-bas, chers frères et sœurs, notre langage ne doit être que l'amour. Puisque Dieu qui nous a donné la vie est amour. Jésus-Christ est amour. Le Saint-Esprit est amour. Nous qui sommes à l'image de Dieu, nous devons être amour.
Est-ce que moi, je manifeste aussi l'amour vis-à-vis des autres, dans mon entourage? Ne suis-je pas rongé par la haine? La haine n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Donc, pour notre retour vers notre Père, dans cette demeure céleste, nous devons avoir ces trois éléments. Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons savoir que la mort ouvre une porte qui nous fait passer de l'autre côté, qui fait que nous puissions repartir vers notre Père. Est-ce que je vais entrer dans les demeures de mon Père? Passer au retour, il y a deux directions et deux destinations. Ceux qui ont respecté la volonté de Dieu, ceux qui ont manifesté l'amour, ceux qui ont œuvré pour lui, retourneront vers Dieu. Sinon, il y a une autre destination. Papa Jean-Jacques a utilisé les trois éléments essentiels que Dieu lui a donné. L'amour, il est devenu chrétien et pasteur, serviteur de Dieu. Il a respecté les commandements de Dieu et il a assuré la mission que Dieu lui a donnée ici-bas. Voilà, chers frères et sœurs, et nous devons savoir, quand un chrétien meurt, Dieu est content parce qu'il va retrouver son enfant qui revient dans sa demeure. Comme Jésus-Christ l'a dit, je vous dévance, je vais vous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je vais préparer des places, et quand le moment sera venu, je viendrai vous chercher. Aujourd'hui, Dieu est venu chercher Papa Jean-Jacques Pakula. Vous et moi, Dieu viendra nous chercher aussi, au moment précisé par lui. Comment serons-nous? Quelle destination allons-nous prendre? Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons bien discerner, comme nous l'avions dit, discerner ces moments précis. Que ces moments n'entrent pas simplement dans la banalité, parce qu'il y a des morts partout. Que ces moments ne nous rongent pas simplement parce que nous sommes pris par cette grande souffrance qui est nôtre. Parce que toute séparation est difficile. Mais l'être humain a une courte mémoire. En ces moments précis, aujourd'hui, à l'instant, l'être humain est en train de réfléchir. Et après, il oublie. Mais gardons ça à cœur. Comme cela est écrit dans le psaume 116, au verset 15, elle a un prix, la mort d'un chrétien. La mort d'un chrétien a un prix. Parce que Dieu accorde toujours miséricorde et bienveillance à ceux qui l'aiment. Donc, si nous nous mettons ici-bas à servir notre Dieu, notre mort a un prix. Parce que nous répartirons entre les mains de notre Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit. Juste pour terminer, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, Jean écrit, « J'entendis du ciel la voix qui disait, écris, heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Voyons simplement ces moments précis. Nous sommes venus des différents horizons.
œuvre accomplie par papa Jean-Jacques Bakula dans le travail du Seigneur. Il est mort dans l'œuvre du Seigneur. Il se repose de ses travaux, mais ses œuvres les suivent parce que nous sommes là et nous allons l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et Dieu l'attend parce que sa mort a un grand prix. Voilà, cher, est-ce que je rentrerai entre les mains de mon Père? Est-ce que vous rentrerez entre les mains de Dieu, votre Père? Ça, c'est la question qui nous est posée. Et nous devons méditer cette question pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Nous en avons fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lèvons-nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Restons debout parce que nous allons chanter. Chanter, c'est prier deux fois. Incense à toi, Isaka, Vazaki, un, deux. Incense à toi, Isaka, Vazaki, ou Vata, Dia, Sento, Toka, Tuka, Mufu, Tuka, Bonzila, Ilufa. Les chants qui sont toujours chantés accompagnent la prédication qui est faite. Et ces chants qui est en Kikongo nous dit simplement que nous sommes des voyageurs ici-bas, nous sommes des pèlerins. Un moment choisi par Dieu, en ce moment-là, nous y retournerons. Que nous soyons riches ou pauvres, nous passerons toujours par la mort. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Cela, c'est aussi bien de pouvoir intégrer les mélodies qui sont dites dans cet enseignement qui nous est donné, qui n'est pas donné à Papa Jean-Jacques puisqu'il est déjà de l'autre côté. Mais c'est donné à nous qui sommes encore là pour que nous puissions faire un choix dans l'orientation de notre vie. Nous venons de terminer la partie liturgique.
Dans les programmes que nous avions faits, on serait passé au chant directement et après le chant, à la parole qui sera donnée à la famille pour parler de papa pasteur Jean-Jacques Bakula, pour faire des témoignages. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons donner la parole à la famille pour que la famille puisse parler de papa Jean-Jacques Bakula dans sa biographie, mais aussi faire des témoignages. Je ne sais pas si quelqu'un de la famille recevez de respectueuses salutations. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers parents, il m'est donné cette impérieuse et difficile mission de pouvoir présenter le cursus de Jean-Jacques Bakula, révérend. Eu égard au temps qui nous était parti, on aurait pu parler pendant longtemps. Mais les exigences font que nous sommes obligés d'être laconiques et d'abréger nos propos. Donc je voudrais présenter Jean-Jacques tel que nous l'avons connu depuis son enfance jusqu'à ce jour. Jean-Jacques Bakula a effectué une partie de ses études primaires à Brazzaville, en l'occurrence l'école primaire de la mosquée à Poto-Poto, et ensuite il a poursuivi ses études ici en France, compte tenu de la mutation de notre défunt père. À ce titre, il a donc fait une partie de ses études primaires ici, jusqu'au collège. Ensuite, plus précisément, à l'école primaire d'Ivry, à Paris. Et une partie des études au collège, ici en France, et ensuite à Brazzaville. Jean-Jacques Bakula est rentré au lycée Chaminade où il a obtenu son baccalauréat avec brio. En effet, dans cette partie de sa vie, je voudrais vous m'étaler un peu là-dessus. Jean-Jacques a été un élève au-dessus de toutes les moyennes. Jean-Jacques Bakula a obtenu de la seconde en terminale tous les premiers prix, je dis bien tous les premiers prix, que ce soit les mathématiques, la physique, la physique, le français et même l'éducation physique. Un être exceptionnel. Je ne voudrais pas faire sa panégyrique ou sa dithyrambe, mais je voudrais simplement dire que c'est une grande perte. C'est pour ça que je pleure. Parce que il aurait pu continuer à être utile pour la société, pour l'Église et pour tout le monde. C'est pour ça que je suis très ému.
dans cette partie que j'ai connue. Parce que lorsqu'il y avait la distribution des prix, je vous assure, c'était un lycée français. C'était extraordinaire. Donc, cette personne, qui est mon frère Bakoula Jean-Jacques, a été exceptionnelle. Donc, je voulais souligner cette partie pour vous dire simplement que nous avons eu un être exceptionnel qui vient de nous quitter. Ensuite, il a enchaîné à l'université de Brazzaville avec brio également, où il a fait les sciences économiques, les mathématiques, où il a obtenu sa licence avec brio. Ça ne pouvait être qu'une évidence. Et ensuite, après avoir réussi avec brio le concours de l'INA, donc c'est un concours de l'Institut national d'audiovisuel ici à Paris, et ce concours a été organisé au niveau de l'Afrique. Jean-Jacques est sorti, il avait la meilleure note de l'Afrique pour entrer à l'Institut à l'époque. Et il a obtenu également un diplôme approfondi et un doctorat d'ingénieur de la discipline qu'il avait choisi. Nanti de tous ses bagages, il exerça la télévision congolaise où il a apporté une innovation dans la technologie au niveau de fonctionnement de notre télévision. Il apporta donc sa technicité dans l'organisation de l'émission intitulée Samedi soir. Ensuite, il est revenu en France où il exerça à l'Institut national de l'audiovisuel. Il travailla également pour la télévision française, notamment au TF1, Thomson, en qualité d'ingénieur. Il exerça comme enseignant au ministère de l'Éducation depuis 1987, en qualité de professeur agrégé, parce qu'il avait obtenu son agrégation dans la discipline du génie électrique pendant 34 ans, notamment au lycée, au Greta et à l'université. Comme vous le savez tous, Jean-Jacques a consacré une partie de sa vie au service de l'église kimaliste en France jusqu'au jour où il nous a quittés. Je voudrais vous remercier de votre attention. Merci. Que je n'ai pas eu le temps de te dire. Je t'aime tant. Si beau, si grand homme. Tu étais si fier de ce que tu étais et si fier de tes enfants. Et tu nous as transmis cela et pour cela nous t'en remercions. Je te rendrai fier et te dédierai toutes mes victoires, je te le promets. Tu étais un guerrier de Dieu. Tu étais mon père et tu étais mon tout. Et jamais je ne te verrai. Tu vivras éternellement à travers nous et nous nous rejoindrons un jour dans la vie céleste. Je t'aime, mon Père. Jean-Jacques, venant de Brazzaville. Ce mot que je livre
et le sentiment de sa mère qui n'a pu faire ni le déplacement de Kinshasa, ni le déplacement de Paris, en raison de son âge avancé, mais aussi en raison de sa santé. Je me fais donc le devoir de lire ce petit mot. Dubac, Jean-Jacques, mon fils, jeudi 20, tout a basculé en moi. J'ai été comme poignardé. Je n'aurais jamais cru que je vivrais ces moments. Parce que pour moi, c'est un enfant qui enterre sa mère et non le contraire. C'est avec une grande tristesse et un cœur serré que je te fais ce mot. Rien ne présageait une telle séparation. D'autant plus que lors de nos dernières conversations téléphoniques, tu n'as cessé de me rassurer en me faisant la promesse de faire un tour à Brazzaville avant la fin de ton séjour à Kinshasa. Notre dernière rencontre remonte à 2013. Et pour moi, c'est une grande peine. Mais la parole de Dieu nous demande de rendre grâce en toutes circonstances, car c'est sa volonté à notre égard. Le Seigneur qui a donné, c'est lui qui a décidé de reprendre. Je ne peux que bénir son saint nom. Toute la famille maternelle se joint à moi pour te dire que dans nos cœurs, à jamais, tu demeureras. Adieu, Jean-Jacques. Adieu, mon fils. Va, repose en paix. Et surtout, que ton repos soit doux. Ta maman à qui s'associe toute ta famille, tes frères, tes sœurs et toutes tes petites mamans. Denise Malonga. Bonjour à tous. Bon, nous sommes ici pour rendre un dernier hommage à ses frères, qui est notre, à ce monsieur qui est notre frère, notre ami et tout cela. Jean-Jacques, Bakula, Rosemond Bertrand du Bac. Voilà. C'est comme ça que nous l'appelions. Jean-Jacques Bakula fut un homme bon et humble. Jean-Jacques Bakula fut un homme dont le sourire était permanent. Jean-Jacques Bakula fut un grand frère à ton souvenir, un grand frère qui m'a toujours soutenu. Je me souviens, j'ai été hospitalisé durant de longs mois ici à Paris. Tous les jours, il était présent. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Pendant l'aéroport, je vous entends de faire et que nous reviendrons dans cette boîte-là. Ça veut dire.
Bonjour, mon maman. Bonjour, Jacques. Je t'ai connu il y a plus de 30 ans. Tu étais alors un jeune homme plein d'ambition. Tu voulais tout réussir. Tu avais des tonnes de projets et qui n'étaient toujours pas réalisables. Mais tu as réussi à arriver. Surtout en ce qui concerne tes études, tu as très bien réussi. Mais je sais, depuis que notre rencontre et notre mariage, on a eu des moments difficiles. Mais aussi, tu vas nous manquer. On t'aime. Mesdames et messieurs, mes amis, mes sœurs, maman, tonton Issouf, tonton Sarlé, merci d'être là. Je ne vais pas me laisser déborder par la tristesse, parce que nous avons affaire à notre père, un homme qui a toujours donné tout ce qu'il faut pour qu'on soit là, pour que tout le monde soit réussi, soit ici, aujourd'hui, parce qu'il a toujours su faire ce qu'il a toujours décidé de faire. On a affaire à un homme qui avait une vision d'aller au-delà de ses espérances, au-delà de ses envies, et il nous a amené jusqu'ici. Il avait sa passion, l'Église, et c'est pour ça que vous êtes tous ici, messieurs, dames. C'était son petit bonheur à lui, et il a toujours fait ça pour lui, il nous en parlait. Ma sœur y a été, et c'était son monde à lui. Et donc je suis vraiment très fier que toutes les personnes soient réunies ici pour cet homme, ce monsieur, ses frères, qui sont mes grands-tontons. Mais aujourd'hui, je ne suis pas, même si j'ai les larmes, je suis heureux que tout le monde soit là, parce que cet homme-là a fait beaucoup de choses pour nous. Cet homme-là était au-delà de tout ce qu'on peut se dire, oui. On termine par la mort. Oui, la mort fait partie de nous tous, c'est vrai. Mais j'aimerais célébrer sa vie, parce que si on est là, c'est que cet homme a donné beaucoup dans sa vie. Et je suis heureux de tout ce qu'il a pu donner pour mes sœurs, mes frères, mes mères, et tout ça. Et vous tous, j'aimerais célébrer la vie de cet homme, tout ce qu'il a pu donner, et tout ce qu'il a fait que... Aujourd'hui, on peut être triste, mais avant d'être triste, il faut se dire que cet homme a, malgré son court passage, a donné de la joie, a donné du bonheur, a donné du sens à sa vie, a donné du sens à notre vie. Et moi, je suis vraiment là pour témoigner du sens qu'il a donné à toute notre vie, à tout ce qu'il a donné dans l'Église, mais aussi à sa famille. Voilà. Donc, merci à vous tous. Je ne me laisserai pas déborder par la tristesse, parce que je célèbre d'avoir la vie de mon papa. Et... je suis content qu'il soit là parmi nous déjà, parce que on l'a pas eu quand ça s'est passé. Donc voilà. Je suis content que ses petits-enfants soient là aussi pour lui dire au revoir une dernière fois. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes. Monsieur Dame. D'abord, commencer par vous dire le mot écrit par son fils, Arnaud, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui sera avec nous au cimetière cet après-midi. Donc voici ces mots. Je tenais à écrire ces quelques mots sur Jean-Jacques Bakouda, notre père. J'ai encore du mal à réaliser qu'il n'est plus là, et que je n'entendrai plus sa voix calme et posée. Lui qui maniait le verbe avec talent et le sens de la persuasion. C'est bien lui qui m'enseignait qu'au début était le verbe. Tout en élégance, il maniait les mots, et ce avec la même élégance vestimentaire qui le caractérisait. Il a, en tant que père, fait du mieux qu'il a pu pour élever ses enfants et les faire réussir
Ça ne fut pas facile, mais le résultat parle de lui-même. Il nous a enseigné la dignité, qu'il a conservée jusqu'à la fin. C'est avec tristesse et chagrin que nous le voyons rappeler à Dieu, mais le courage d'aller de l'avant a été son ultime enseignement. Je te souhaite, papa, de demeurer en paix et de veiller sur nous tous, ton fils, avec amour. Papa avait l'élégance et le phrasé des grands hommes. C'était un grand homme, jusque dans ses imperfections. Dans la vie, il a beaucoup donné, beaucoup reçu aussi. Il avait la vie en partage. Il avait cette passion de transmettre, d'accompagner, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur révérend. Et il aimait. Il aimait son école, il aimait ses collègues, il aimait ses élèves, il aimait ses amis, il aimait son église, il aimait sa famille, il aimait Dieu. Il était aimé de Dieu, car il était son père, car il était son fils. Et malgré tout ce que la vie lui avait pris, malgré la difficulté des dernières années, il aimait la vie. Il a toujours gardé la foi. Même quand il doutait avec la grâce de la foi. Même dans la douleur, il est resté grand. Il avait une force, une détermination, une volonté incroyable. Voilà donc ce que je retiendrai de lui. Sa force, sa foi, sa voix, l'amour qu'on avait, qu'on a et qu'on aura toujours pour lui. Merci. Choqué que j'appelle mon père par Dubac. Mais mon père, il m'a eu quand il était très jeune. Quand on se promenait, lui et moi, on avait l'impression que c'était sa petite sœur. Il avait ses qualités, ses défauts. Mais s'il y a deux choses que vous devez retenir de mon père, Dubac, c'est sa générosité et son amour pour Dieu. Je vous remercie pour tout. Là, vous me voyez, je suis entourée de ses petits-enfants et de mes deux autres sœurs. Nous vous remercions beaucoup pour tout. Pour votre amour, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimiez. Sinon, vous ne seriez pas là. Merci encore. Souvenez-vous de lui seulement. Par sa générosité et le fait aussi ses tenues merveilleuses. Merci. Si ce n'est que remercier maman Marie,
la représentante du chef spirituel. Comme me disaient les gens, mon mari vient chez vous spirituellement. Papa a cherché, il a dit qu'il faut que maman vienne me voir. Il m'a dit, maman mari vient me voir spirituellement. Alors aujourd'hui, maman est là, papa est dans le cercueil. Il avait beaucoup de projets. On devait faire le mariage en Kamba. Il a dit qu'il faut les fanfares et bêtes. Pour ça, j'ai tenu. J'ai supplié qu'on puisse fanfares et bêtes quand même. Durant les 8 dernières années de sa vie, je l'ai rencontré. Et toute sa vie, c'était l'Église. Toute sa vie, c'était l'Église, sans oublier ses enfants. Alors je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que vous apprendre. Je pense qu'il est parti en paix. Il a demandé pardon. 1000 fois, il demandait pardon en souriant. J'ai dit à ma sœur, pourquoi elle demande pardon, puisqu'en ce moment-là, il allait mieux. Il allait mieux. Il a demandé à Papa Simon Kimbangu de partir en Kamba. Papa lui a dit, à la fin du mois, termine d'abord tes soins. Alors lui, il me dit, oui, on va en Kamba. Après, on rentre se reposer à Paris. J'ai dit, oui, papa. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que ce qu'il m'a appris. Il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup apporté en matière de prière. Il m'a dit, maman, tika kanda, tika kanda. Il est arrivé même à dire à papa Simon Kimbangu, maman, Henriette. Alors, il m'a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté à mes enfants, à ma famille. Alors nous le remercions. Nous le remercions beaucoup. Que papa lui trouve une place là-bas-haut. Et qu'il soit en paix, comme lui-même a voulu partir. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Il m'a dit merci. Mardi, 48 heures avant sa mort, il m'a dit, tu es une femme merveilleuse. J'ai dit non. Nazama Kelele, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mais une chose est sûre, qu'il est parti en paix, puisqu'il a fallu, malgré que je suis du domaine, je n'ai pas compris qu'il avait déjà le dernier souffle. Le médecin m'a dit, madame, laissez-le partir. Alors papa, mon professeur, le fils de papa Simon Kimbangu, comme papa l'appelait, va en paix, papa, va en paix. Merci, papa Makula. Nous avons entendu avec beaucoup d'attention les hommages de la famille. On a un frère qui est ambulancier qui veut aussi nous parler de son témoignage. Et je pense que nous pouvons lui donner ce moment. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis l'ambulancier de M. Bakula. Vraiment, le transport s'est terminé presque. J'ai passé un an et demi avec lui. Je le prends matin et après-midi parce qu'il a deux séances de kiné. J'ai passé beaucoup de temps avec M. Bakula. Vraiment, je suis ici triste avec vous. Je suis en train de partager ces moments terribles. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre ça.
Aujourd'hui, je suis ici pour M. Bakula pour vous dire qu'il était vraiment pour moi comme un père, comme un oncle. Il était super gentil, il était généreux. Je suis ici pour dire à M. Bakula merci, merci pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble dans tout notre trajet. Et vraiment, il n'était pas impatient, il était pour moi vraiment comme un père ou un oncle. Merci M. Bakula pour tous les moments agréables qu'on a passés ensemble. Merci. Bien, donc nous continuons notre cérémonie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les messages et les mots qui sont dites. Le révérend pasteur Jean-Jacques Bakula était un collègue, puisque je suis aussi pasteur, un collègue exceptionnel, charismatique, impliqué et pertinent dans son être et dans son verbe, même dans ses liturgies. Et je pense que la présence de nous tous ici montre que il n'a pas construit sur le sable, mais sur le roc. Il a posé des éléments dans la famille, dans nos cœurs, et il en restera gravé. C'était juste pour dire que ce que vous venez de dire, c'est ce que nous aussi, en tant que chrétiens kimbanguistes et collègues pasteurs, nous avions vécu. C'est un homme qui va beaucoup nous manquer. Nous allons tenir compte du temps qui nous est imparti. Sinon, nous allions déjà ici donner, mais nous allons quand même demander un chant. Après ce chant, nous donnerons la parole à maman conseillère directe du chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, pour un mot et la prière finale. Maman Tilabisonze Mbomoko, donc nous allons continuer la vie sur la cimetière. Wabuluze,
Donnez la parole à maman, conseillère directe du chef spirituel. Maman. Chers frères et sœurs, papas et mamans, les mots me manquent parce que c'est pour la première fois dans de telles circonstances qu'on me demande la parole. Je crois que nous sommes tous émotionnés. Personne ne s'attendait que Papa Bakoula pouvait nous quitter en 2022. Mais c'est Dieu qui nous guide. Nous sommes ses serviteurs. Personne n'en peut rien devant une telle situation. Chers frères et sœurs, papas et mamans, surtout la famille Bakoula, Papa Bakoula vous a rassemblés. Il vous a laissés dans l'amour. Et vous devez continuer parce que les morts ne meurent pas. Il change de monde. Donc vous devez rester unis comme il avait voulu. Je connais bien cette famille. Je parlais souvent avec lui. Et c'était aussi une famille pour moi parce que je connais quelques enfants de Papa Bakoula qui venaient me voir aussi à la maison. C'était un moment qui est très difficile. On a suivi les témoignages. Le pasteur nous a prêché. Mais cette prédication a été faite pour nous qui sommes encore vivants. Parce que nous devons savoir que chacun de nous va passer un jour par là. Comme l'a souligné, je ne sais pas, un enfant qui a dit dans cette boîte, nous allons tous y passer. Nous devons nous préparer spirituellement parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous et nous le savons tous. Donc, chers papas et mamans, chers frères et sœurs, maman Henriette, du courage. Je suis passée par là il y a 6 ans exactement. Je croyais que je n'allais plus continuer la vie, mais je suis là, la vie continue. Vous avez des enfants à élever, à éduquer. Et il y a la famille, vous êtes bien entourés. Continuez de vivre. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous invite à une courte prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, merci de nous avoir rassemblés en ce lieu pour venir rendre un dernier hommage à ton fils, ton serviteur, révérend pasteur Bakoula Jean-Jacques.
que tu as bien voulu rappeler à toi depuis le 20 janvier 2022. Personne s'y attendait. Pardonne-nous nos égarements, mais rappelle-nous à toi. Ton fils a œuvré dans ton champ avec assiduité, amour et abnégation. Comme l'attestent les témoignages. Que pouvons-nous encore dire, papa? Console-nous, c'est toi le consolateur, papa Simon Kimbangu. Quand ce moment nous arrive dans la vie, on est tous ébranlés. Et pourtant, nous sommes préparés qu'un jour, chacun de nous partira pour venir te rejoindre, toi Seigneur. Rassemble les enfants qui sont restés, la maman et toute la famille. Et nous, la famille Kimbanguiste, donne-nous la force. Parce que ton fils a beaucoup fait dans cette église. Nous avons lutté pour que l'église soit implantée en Europe. Il fait partie de ces gens-là, moi-même y compris. Papa, merci. Parce que vous avez toujours dit, dans toutes circonstances, nous devons toujours te remercier. Parce que c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Nous allons aller laisser notre cher frère à sa dernière demeure. Nous te demandons de nous accompagner et de nous protéger tous, de nous donner le courage de continuer la vie et de continuer à te servir comme il a fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, la cérémonie religieuse arrive à sa fin. Ceci est un message pour les amis voisins, collègues de travail de monsieur Akula. La famille vous remercie de votre présence dans ces moments difficiles et douloureux, ainsi que pour toutes ces jolies compositions florales. Pour les personnes qui désirent accompagner monsieur Akula jusqu'à sa dernière demeure, l'inhumation aura lieu au cimetière de Vitry-sur-Seine à partir de 13h30. Je vous remercie. Bien, nous avons terminé. Voilà, messieurs, dames, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, des amis et voisins. Juste la famille va rester assise. We'll be right back.
Yeah.
Na kombwe tata mwana pe tata moli momo santo. Tozali ko continue ko pesa ko yembelela révérend pasteur Jean-Jacques Bakula. Faki na l'air moropé a kosala to kosala ba défilé na biso papa sengito sepelisaye. Bongo tangu na l'air ekokoka nde to kokenda na liboso ya libulu na dernière demeure na ye nde to kosala oyo etikali. Na tango oyo to continue ko tia ba nzembo to koba ba nzembo to tala pe botala la biso soki faki azali prêt so baza prêt te basala ba sacré donc papa to continue ba nzembo na biso biso ba so to yemba Toyemba
Je suis le seul à célébrer jusqu'au bout. Ok. Personne d'autre ne prendra la parole en dehors de vous. D'accord ? On va prier et puis je prends la parole jusqu'au bout. Vous faites la séance, il a compris. Vous êtes le seul à prendre la parole jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Bon, ça a été décidé. Il est possible que les dirigeants ne prennent pas la parole pour rendre hommage à leur frère. Non, je suis le seul, je suis le seul à prendre la parole. Batoye, baba maman, et ça va nous motoye bi. Tous allez qu'on continue, batata na ba maman. Tous allez qu'on continue na banze. Batoyemba, batoyemba, batoyemba. Batoyemba, batoyemba. Où était? Tous allez qu'on continue banze, bofaki. Come on.
allez, toi de filer la bise, allez. Je vais ici, ok, il va la moto.
ngambo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Donc on sait que Nzembo ya bato bonso na mama dirigeante. Donc on sait que Nzembo ya bato bonso. J'ai tapé la paix, je suis au cimetière. Papa, représentant deuxième suppléant, professeur Vincent du Bondéli. Dans ma professeur du Bondéli, nous avons un mot à fait du Bondéli à ce salon. Dans mon avocat, du Bondéli. Dans le Zoto, né maman conseillère Ayakotia, ma belle, ma fleur de Rotia, bisous. Tata Moana, Petata Molimo Monsanto. Nenge Tobandaki programme Nabisso depuis la funérarium. Yangoyo Toye Kosilisa, la dernière demeure, il y a le révérend pasteur Jean-Jacques Bafoula. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Tata Molimo Monsanto. Likolo ezali ya yo, sepe ezali ya yo. Biso bato, bosala biso, pouete toya na kati na mokili, na tango mokwe. Lelo oyo ezali mokolo oyo, bengi mwana na yo, mosali na yo. Papa Jean-Jacques Bakula pouete ye, aya na kati na mokili na yo. Mais nous avons dit que la Genèse, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que papa avons dit que nous avons dit que nous avons dit
Mais moli mon aïe papa yo zoro nan kamba yelu seremi. Biso banso to zali elongo na esika oyo pour na ko accompagner ye. Beto bengio zabe moli mon santo. Pour être yo papa aux ananaye aux ananali bota ko sunga biso banso. Na komo ya tata mwana petata moli mon santo. Amen.
vous dire ça, vous avez un peu de bonheur. Code portable du Kangamane. Voilà, tu vas produire ça. Code portable du Kangamane. Voilà, tu vas produire ça.
Tu es là, non?